Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier la bibliothèque Thiers dans la fondation Dôme Thiers Place Saint-Georges qui nous accueille aujourd'hui pour aborder le sujet, le premier chapitre de l'histoire de la photographie qui est le daguerréotype, la période, l'époque du daguerréotype. Je vais vous en parler d'une manière un peu informelle. On va partir d'abord du jour de la proclamation peut-être, ou de l'année de la proclamation de l'invention, puis j'aborderai toutes les années qui ont précédé, sur lesquelles il y a encore beaucoup de points à élucider. C'est un des, pour les historiens des sciences, c'est certainement un des sujets les plus riches, les plus controversés, les plus difficiles et donc les plus passionnants qui soient. C'est en l'année 1839 que le monde entier apprend, par une indiscrétion de journaliste vers le 6 ou 7 janvier dans la Gazette de France, que François Arago prépare en grand secret à l'Académie des sciences, la mise au point finale d'une invention possible que l'on allait appeler probablement héliographie ou daguerréotype, selon que l'on se place plutôt parmi les supporters de Niépce ou les supporters de Daguerre. Alors, Niépce et Daguerre, ce sont deux personnes qui se sont associées pour mettre au point cette invention. Cette invention, on l'appelle aujourd'hui photographie. Elle a été pressentie par beaucoup de gens depuis la fin du XVIIIe siècle et on se demandait comment rendre des images pérennes. Il faut que vous imaginiez que dès la fin du XVIIIe siècle et donc au début du XIXe siècle, on aime beaucoup les illusions d'optique, on aime beaucoup les récréations optiques ou mathématiques et on sait faire des images à base de phosphore qui perdurent quelque temps, comme des ombres qui vont rester quelques secondes, voire quelques minutes. Et donc tout le monde se demande si on ne veut pas avoir des images qui dureront plus longtemps. L'indiscrétion dont je vous parle, qui est publiée dans la presse, qui est repris bientôt dans les journaux du monde entier, est simplement un discours que François Arago vient de faire à l'Académie des sciences, où il annonce que l'invention est au point, que l'on va avoir des conséquences extraordinaires pour les arts et les sciences, et que l'on, d'ici quelques mois, on sera capable donc de convoquer tout le monde. Effectivement, au mois d'août, il y aura l'annonce officielle. Au mois de septembre, il y aura des ateliers, des démonstrations publiques. Mais dans les 6 mois qui précèdent, il va y avoir des individus qui prennent des initiatives ou des envoyés spéciaux par les cours d'Europe, des gens du monde entier qui vont venir, essayer d'obtenir le secret avant les autres. Essayer de contacter Daguerre ou le fils de Niépce qui s'appelle Isidore. En particulier, parmi ces gens, il y a un académicien russe qui s'appelle Joseph Hamel, qui est venu au mois de mars, qui n'a pas eu une bonne relation avec Daguerre, mais qui lui s'est bien entendu avec le fils d'Isidore Niépce, qui lui a laissé des papiers extraordinaires, la moitié des archives de son père, ce qui fait que l'un des secrets, une partie des secrets ou la documentation de l'invention de la photographie se retrouve à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. J'ai eu, pour des raisons professionnelles, la chance de pouvoir y accéder, d'être une des 3 personnes qui ont accédé pendant le XXe siècle, je crois. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais dans les années 80-90, c'était encore fort compliqué. Je vais vous raconter maintenant un petit peu, donc au-delà de cette invention, quelles vont être les conséquences, comment va se répandre le daguerréotype. Le daguerréotype est, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un miroir d'argent en fait, c'est un miroir plaqué d'argent sur cuivre qui ressemble exactement au miroir que l'on faisait. Ce sont les orfèvres qui fabriquaient des miroirs ou de l'argenterie qui vont d'abord fabriquer les plaques daguerréennes. On appelle ce métier le métier de planeur. Il existe toujours un planeur en activité chez Hermès, mais un des grands planeurs de Paris était Christophe. La plupart des planeurs ont parfois signé par un poinçon dans un angle les plaques qu'ils fabriquaient. Mais les plaques complètes, qui sont de grande taille, qui font à peu près 16 par 22 cm, qui est l'ancêtre du format que connaissent bien les photographes qu'on appelle le 18-24, ces plaques étaient tellement coûteuses que dès l'origine, on a cherché à réduire la taille, à faire plusieurs images sur une plaque. Donc nous avons des formats qu'on appelle demi-plaque, tiers de plaque, quart de plaque, et le plus courant de tous, sixième de plaque.
Ce qui veut dire qu'on faisait six portraits à partir d'une plaque daguerréale. Donc dans ce cas-là, on ne trouve le poinçon que sur l'un des six. Alors, l'invention, la proclamation, aussitôt on va donner les recettes et les gens vont essayer de s'entraîner. Très curieusement, les contemporains vont remarquer que Daguerre est très mauvais pour expliquer, qu'il ne sait pas bien faire des photographies lui-même et il ne va pas donner de cours. Donc on va chercher d'autres personnes qui sont plus à l'aise. Et en particulier, il y a un des personnages les plus mystérieux de l'invention de la photographie qui s'appelle Eugène Hubert, qui en fait a joué un rôle fondamental dans les premières plaques et qui va former les premiers artistes, qui va former les premiers opérateurs au mois de septembre 1839. En particulier, une expédition artistique vers l'Égypte où Eugène Hubert va former le jeune Goupil Fesquet qui accompagne deux grands peintres. Les archives aujourd'hui sont partiellement à la Bibliothèque nationale. Elles ont été retrouvées récemment dans un appartement que l'on vidait à Arts et Métiers. Les gens sont venus voir les daguerréotypes. Vous connaissez un petit peu les histoires. Le temps de pose était très très long. Au départ, on ne pouvait photographier que des statues ou on photographiait des bâtiments, des architectures, des ruines. Il a fallu des progrès incessants pour arriver à faire de bons portraits. Et en fait, on pourrait presque dire que si les Français inventent le daguerréotype, ce sont les Américains qui inventent le portrait photographique. Car ce sont des Américains qui, les premiers, vont réussir à faire des portraits daguerriens. Et les Américains vont s'emparer de cette invention. Leur jeune État, leur jeune nation, va d'ailleurs adopter cette invention d'une manière extraordinaire. Et elle va devenir un peu synonyme du début de la documentation de l'aventure, de la ruée vers l'or, par exemple en Californie. Ce sont les daguerréotypes qui ont permis de suivre les différentes étapes et qui étaient relayées, puis redessinées, puis imprimées dans les journaux illustrés du monde entier. Les daguerréotypes vont partir. Telle la bonne parole, vous avez les disciples de Daguerre qui vont partir dans les quatre directions, qui vont aller aux quatre coins du monde. Arago avait voulu que cette invention soit gratuite et libre de droit pour le monde entier, sauf l'Angleterre, parce qu'il y avait eu un grand débat, parce qu'il y a toujours eu ces relations compliquées avec les voisins anglais. Cette compétition commerciale que l'on pourrait qualifier d'exacerbée. Et donc, en Angleterre, les photographes étaient obligés d'acheter un brevet assez coûteux. L'inventeur anglais de la photographie, qui s'appelle Talbot, lui avait un procédé très personnel, mais lui aussi a mis un brevet très cher, ce qui fait que les pauvres Anglais qui voulaient apprendre la photographie devaient soit payer un brevet fort cher à leur compatriote Talbot, soit payer très cher un brevet aux représentants de Daguerre. Pour le reste du monde, c'était absolument libre de droit. Et donc, il fallait se procurer du matériel et partir sur les routes. Vous devez imaginer donc ces gens, ces missionnaires qui partent pour répandre la bonne parole de l'invention. Ils impriment des annonces, ils passent des annonces dans les journaux, ils impriment des affiches qu'ils collent sur les murs des villes. Ils s'arrêtent dans les grands hôtels qui ont un salon bien éclairé, puisqu'il faut de la lumière pour faire de la photographie. Et ils vont de ville en ville comme ça pour faire les premières expérimentations ou les premiers portraits. Les salons de photographes vont apparaître seulement vers 1842. Et le premier salon qui est documenté est celui des frères Bisson, du frère aîné des Bisson, qui va réaliser le portrait de Balzac, qui est une des merveilles de l'histoire de la photographie. Donc Balzac a essayé de se laisser photographier par Bisson en mai 1842. Alors, parmi les anecdotes les plus intéressantes de ces premiers temps du daguerréotype, avant de rentrer dans des considérations sociologiques ou générales, il faut dire qu'il y a une émotion vraiment intense, un intérêt que l'on ne peut comparé par exemple qu'avec l'apparition de l'iPhone ou des choses comme ça. C'est une invention majeure. C'est une invention majeure car
elle va bouleverser notre rapport à la mémoire, elle va bouleverser la civilisation générale. En plus, elle arrive simultanément avec d'autres grandes inventions comme le télégraphe ou la multiplication des chemins de fer. C'est-à-dire que notre planète, on peut dire qu'elle va devenir synchrone à partir de cette époque de l'invention de la photographie et les autres inventions aussi. Avant, vous aviez des civilisations, des pays, des continents qui vivaient à leur rythme, qui vivaient dans d'autres âges, qui vivaient selon d'autres règles. Mais cette fois-ci, l'information va être partagée. Les gens vont se ruer pour voir, pour reproduire, pour avoir des images fidèles des quatre parties du monde. Je reviens encore à cette année 1839 parce qu'elle est absolument extraordinaire. Alors, je vous dis qu'il y a un lien entre les inventions de la photographie du télégraphe et par exemple, ce lien, il est incarné par une personne, un homme de science qui joue un rôle fondamental, qui est un Américain, qui est Samuel Morse. Morse est l'inventeur du Morse, mais il est aussi celui qui va divulguer, qui va apporter l'invention daguerrienne aux États-Unis. Et il fait le voyage exprès. Il vient voir Daguerre. Il n'attend pas la proclamation officielle. Il vient voir Daguerre au mois de mars 1839. Donc il a un mois et demi, deux mois après la publication de l'article, il est là. Il va aussi vite que le Russe dont je vous ai parlé, Joseph Hamel. Et c'est très intéressant parce qu'il arrive dans un Paris en ébullition avec cette invention. Il est question de gros sous, il est question d'argent, de spéculation. Est-ce que cela va ruiner les peintres? Est-ce que l'on va investir? Est-ce que l'on va acheter l'invention? Est-ce qu'elle peut être privatisée? Daguerre avait essayé de la vendre en crowdfunding, comme on dirait aujourd'hui, en société par action. Ça n'avait pas marché. Et le jour où Samuel Morse se dirige vers le diorama, eh bien, le diorama est en train de brûler. Daguerre s'affole beaucoup, il court dans tous les sens, il va perdre ses papiers, il va perdre les preuves de son travail. Et il va y avoir déjà une rumeur persistante et malicieuse dans Paris qu'il a mis le feu pour toucher l'assurance. L'assurance, c'est un anachronisme. Ce qui est sûr, c'est que cet incendie va le faire apparaître comme une victime. Le roi va s'émouvoir, la nation va s'émouvoir, la chambre va s'émouvoir. Et à la suite de tout cela, Ragot va pouvoir convaincre les gens d'indemniser Daguerre et aussi le fils de Niépce, qui représente quand même l'autre inventeur, pour leur acheter l'invention. Daguerre va toucher plus parce que lui, on lui paye une assurance pour son diorama qui a brûlé et pour les recherches qu'il a faites depuis 1833 tout seul, depuis la disparition de Niépce. Donc voilà encore, vous allez dire que vraiment je ne parle pas gentiment de Daguerre. Il est admirable, sans lui l'invention n'existerait pas ou elle aurait pris une autre forme, il joue un rôle absolument fondamental. Mais vous savez que pour qu'un film ait du succès, il faut que les personnages des méchants soient merveilleux. Et Daguerre, il sera parfait dans un personnage un peu ambigu, on va dire comme ça dans l'histoire. Donc vous voyez, il y a des questions d'argent. Daguerre résiste beaucoup à donner des daguerreotypes à l'envoyé du tsar qui est trop intelligent, trop malin, qui devine le rôle joué par Niépce. Et il va falloir l'acheter à coups de marbre et d'or. Et le maire de Brie-sur-Marne se rappelle encore les envoyés du tsar qui apportent ces cadeaux impériaux et somptueux, en échange de quoi Daguerre va remettre trois daguerreotypes, probablement réalisés par Eugène Hubert à sa demande, et qui avaient disparu, qui ont été retrouvés très récemment dans une bibliothèque de Saint-Pétersbourg, et sur lequel vous trouverez en ligne quelques articles formidables. Donc, je reviens sur cette année 39. Vous avez donc des gens qui viennent avant même la proclamation, et vous avez des gens qui ne peuvent pas venir, mais qui vont s'intéresser comme un des personnages les plus fascinants, qui est à Bogota, en Nouvelle-Grenade, qu'on appelle Colombie aujourd'hui, enfin qu'on appelait peut-être déjà Colombie en 1839, qui est l'attaché commercial français dans la Jeune République, et qui s'appelle le baron Gros. C'est le fils de Gros, le peintre. Et il se passionne pour cette invention qu'il lit, enfin il essaye de lire dans les journaux qui mettent en plus des semaines, voire des mois pour traverser quand même
C'est plus long. Il faut d'abord que ça passe par Philadelphie ou New York avant d'arriver à Carthagène, puis arriver à Donmul, à Bogota. Et il va réinventer l'invention tout seul. À partir des éléments qu'il peut lire dans les articles, il va réinventer le daguerréotype et il va réinventer un daguerréotype un petit peu meilleur, ce qui va provoquer l'étonnement parce que quand il va rentrer en Europe, les plaques qu'il a faites, les daguerréotypes qu'il a fait de la cordillère des Andes ou de Bogota sont plus beaux que ceux qui sont faits en France. D'ailleurs, il va être élu le président de la première association de photographes, la Société française de photographie. Le baron Gros est par ailleurs un diplomate, c'est pour lui quand même une activité d'amateur, mais il a fait aussi autre chose, il a formé des gens localement, et tout à l'heure je vais vous montrer un merveilleux daguerréotype qui a été fait par son meilleur élève, qui s'appelle Garcia Hevia, qui est un jeune peintre colombien, et qui va exposer en son nom et grâce au baron Gros, dès 1843, des daguerréotypes dans une exposition des produits de l'industrie de Bogota. Donc vous voyez, le daguerréotype va aller partout. La traînée de poudre, c'est quand même les États-Unis, puisqu'en plus, ils vont donc accélérer, ils vont trouver le moyen de faire des portraits plus rapides. Samuel Morse va essayer de faire des portraits qui sont assez intéressants, mais il faut retenir que le héros américain, qui est d'origine hollandaise, qui habite à Philadelphie et qui est orfèvre de son métier, enfin, il travaille surtout l'argenterie, il fait des chandeliers. Il s'appelle Cornelius. Cornelius? Robert Cornelius. Voilà, je cherchais, excusez-moi, je cherchais son prénom. Je recommande à tout le monde de regarder, mais je crois que vous connaissez déjà son autoportrait qui date de décembre 1839, où il est tout étonné, en train de se découvrir dans une petite plaque. Il est vers le haut de l'image. Et c'est un merveilleux portrait, c'est le plus ancien portrait documenté, réussi, étonnant. Il y a peut-être précédent un peu celui de Samuel Morse qui a dû faire des essais avec lui. Mais on va dire quand même que Robert Cornelius mérite d'être considéré comme le premier magnifique autoportrait, le premier selfie, le premier ce que vous voulez. Il va ouvrir un bureau dès 1840 et il va photographier toute la bonne société de Philadelphie. Comme en plus il est orfèvre, il fait des boîtes en argent, il fait des cadres en argent, puis des jolies boîtes en cuir, pardon, et ce sont des objets magnifiques. Heureusement, beaucoup ont été conservés, soit par les institutions de Philadelphie, soit par des collectionneurs américains. Il faut dire que les Américains collectionnent la photographie depuis très longtemps. Ils se sont mis à collectionner la photographie quand ils ont découvert que cela jouait un rôle intime avec leur histoire. Ils ont collectionné donc les daguerréotypes de Californie, puis après les photographies de la guerre de Sécession. On peut dire que les premiers catalogues de collectionneurs ou de ventes de photographies rares datent du début du XXe siècle. Il y a par exemple un catalogue proposant des portraits anciens du président Lincoln, fait par un certain Meserve, qui date de 1903. Vous avez donc l'Amérique cherche passionnément ses photographies. Et donc, depuis plus d'un siècle, il y a en Amérique des collectionneurs de daguerréotypes, de collectionneurs de portraits de Lincoln, de collectionneurs de photos de sécession. Et j'en profite donc pour vous parler de la plus belle des enquêtes qui m'a été amenée à poursuivre et qui est toujours en cours d'ailleurs. Et une enquête sur un daguerréotype assez mystérieux. C'était un petit daguerréotype. C'est un petit daguerréotype comme on produisait dans les petites villes. Il n'a rien d'élégant, il n'est pas d'un grand studio, il n'est pas pris en studio d'ailleurs. Et je vous expliquerai comment on peut analyser ça. Il y a des ombres. Il y a des ombres sous le chapeau, il y a des ombres sous la barbe, il y a des ombres sous le nez. Or, si on a inventé un studio, comme vous voyez là, c'est pour avoir des éclairages, c'est pour éviter les ombres, le travail du photographe. Depuis l'origine, s'il met au point des studios sophistiqués avec des toiles, avec des reflets, avec des miroirs, même en lumière naturelle, il y aura tous les effets possibles pour essayer de tamiser cette lumière, pour éviter les ombres. Il ne veut pas les ombres. Donc, ce petit portrait d'une petite ville, d'une petite localité, fait en plein air, représente un homme assez champêtre, assez rustique,
avec un chapeau, avec une barbe, qui est ce qu'on appelle un look-alike, quelqu'un qui veut ressembler à Lincoln, parce que comme aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes qui veulent ressembler aux héros de Peaky Blinders, ou les joueurs de football, vous savez, il faut imaginer qu'après la guerre de sécession, ou pendant la guerre de sécession, beaucoup d'Américains ont voulu ressembler à leurs héros. Le problème, c'est que c'est un daguerréotype. Et les daguerréotypes, ça demande des produits très dangereux. Ça demande beaucoup, beaucoup de mise au point. Ça demande beaucoup de patience. Et ça demande de l'iode et du mercure qui sont des produits mortels. Et dans leur vapeur, etc. Donc, quand on va arrêter de produire des daguerréotypes, les pharmaciens, les drugstores vont arrêter de diffuser les matières chimiques nécessaires. On ne les trouvera plus. On ne les trouve plus du tout d'ailleurs. Ce qui pose un vrai problème. Les gens qui veulent opérer au daguerréotype aujourd'hui ont soit besoin d'autorisation spéciale au plus haut niveau de l'État, soit ils ont inventé de nouvelles recettes non dangereuses avec de nouveaux produits. Mais donc pour un daguerréotype tel qu'on le faisait au 19e siècle, à partir du moment où ces produits ne sont plus distribués, on ne peut plus en faire. Il restera bien une ou deux exceptions. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Il y a des grands studios qui ont leur propre matériel ou qui leur produisaient ou qui avaient 1 an ou 2 ans d'avance, comme à Boston. Mais dans les petites villes, c'est hors de question. Donc, les daguerréotypes ont disparu brutalement des États-Unis. En France, c'était même un petit peu avant, mais aux États-Unis, dans l'hiver 60-61. Or, Lincoln a été élu en novembre 60, a fait sa prestation de serment en février 61, a commencé à se laisser pousser la barbe entre les deux et n'avait son aspect de Lincoln qu'à ce moment-là. Vous pouvez regarder toutes les histoires, avant il ne se ressemblait pas. C'est-à-dire que l'image du président Lincoln n'existe qu'à partir du jour où il a prêté serment. Avant il n'a pas de barbe, il a un aspect fort différent, c'est un avocat glabre. Et qui ne ressemble pas à cet homme politique aujourd'hui si célèbre. Vous savez que son portrait est le portrait le plus reproduit au monde, parce qu'il est aussi sur les billets de banque, il est aussi sur les pièces de 1 cent. Donc voilà, il y avait un mystère. Comment quelqu'un peut-il choisir de ressembler à quelqu'un qui n'existe pas encore? Ou plutôt, comment quelqu'un qui décide de ressembler à son héros va-t-il trouver quelqu'un capable de faire un portrait au daguerréotype? Alors nous avions ce qu'on appelle un time loop en américain. Est-ce qu'il y avait une impossibilité temporelle absolue ou est-ce que les deux choses pouvaient se toucher? Et en faisant des recherches, puisque je vous ai dit depuis un siècle, les gens collectionnent les portraits de Lincoln, donc il y a une iconographie très 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 sérieuse et précise. Et il y a effectivement une anomalie dans cette bibliographie, dans cette iconographie, dans le catalogue raisonné des portraits de Lincoln président et des portraits de Lincoln avant son élection. Il y a aussi la période la plus mystérieuse qui est entre son élection et sa prestation de serment. Et là, il y a la mention d'un daguerréotype qui a été réalisé et qui a disparu, que personne n'a jamais vu, mais dont nous avons l'existence qui est certifiée par 4 journalistes qui accompagnait le président élu dans son voyage en train depuis sa ville de l'Illinois jusqu'à Washington. Ce voyage en train a duré 13 jours et nous savons que à l'aube de l'avant-dernier jour de voyage, ou de l'antépénultième plutôt, l'avant-dernier avant New York, on a réveillé le président Lincoln qui s'était assoupi pour qu'il se laisse prendre en photo par un artiste daguerrien au milieu de la neige dans un arrêt de quelques minutes dans un village qui s'appelle Clyde. Voilà, mais ce sera une autre histoire. Mais je vous ai montré, alors ce genre d'enquête est formidable, quel que soit le résultat, il faut essayer de ne pas, bien sûr, préjuger, mais aujourd'hui vous avez quelques milliers de collectionneurs sur la planète qui rêvent de découvrir, d'identifier différents portraits, différents plaques daguerriennes qui ont survécu jusqu'à maintenant. Une plaque française qui a un rapport avec l'endroit où nous sommes. Ce portrait est assez beau. Ce sont 3 enfants.
On voit la main du père qui tient le plus jeune et qui entre dans le champ de la caméra. Mais surtout, elle a un cadre assez inhabituel, en poirier noirci, moite noirci, et il y a des restes d'une étiquette derrière. L'étiquette, on arrive à lire difficilement une adresse rue des Prouvaires. On découvre qu'il n'y a eu qu'un seul atelier rue des Prouvaires, qui est une toute petite rue des Halles, et que c'était quelqu'un qui s'appelle De Russy. Que ce De Russy, on connaît aujourd'hui qu'une poignée de plaques qui ont survécu, mais qu'à l'époque, il était fort célèbre. Il est le premier photographe à recevoir une médaille et un prix dans une exposition. Dans une exposition qui est le Salon des Arts et des Produits de l'Industrie de 1844. Il est donc l'un des premiers photographes primés en France. Et ce portrait lui a été commandité par quelqu'un qui a un rapport avec l'endroit où nous sommes, puisqu'il s'agit de Pierre Flourens, qui est l'un des deux secrétaires de l'Académie des sciences, avec François Arago. Pierre Flourens et François Arago seront co-secrétaires, enfin seront les perpétuels, ensemble pendant un quart de siècle. Ils sont très amis. Arago fait participer Flourens à tous les comités de décision par rapport à la valeur de cette nouvelle invention, par rapport au développement qu'on peut lui donner. Et c'est Flourens qui continuera à signer les rapports de l'Académie sur les progrès de la photographie après la disparition d'Arago, comme par exemple le rapport sur les procédés photomécaniques de 1853, selon le procédé déposé par Barésville et Le Rebourg. Mais donc, Flourens, l'un des deux secrétaires avec Arago, donc qui est lié à l'invention de la photo, demande à celui qu'il considère comme le meilleur photographe de son époque, de ses contemporains, de prendre en photo, peut-être un ami, ses trois fils. Donc ce sont ses trois fils, et au milieu nous avons Gustave Flourens, le fils aîné, qui était professeur au Collège de France, qui est spécialiste des races humaines, on disait à l'époque, qui s'est opposé beaucoup aux théories, on va dire, racistes, qui est plutôt un homme de progrès, un homme éclairé, et qui va prendre, pendant la Commune de Paris, la direction des communards. Donc nous sommes dans la bibliothèque Thiers, l'hôtel de Thiers, et nous sommes en train de regarder le portrait de celui qui va être son plus farouche adversaire. C'est même, la bataille va être terrible puisqu'il y aura beaucoup de morts, cette guerre civile va être gagnée par Thiers, et Flourens, lui, est assassiné pendant peu avant la fin de la Commune. Voilà. Voici un daguerreotype très précieux, très mystérieux. Lui, il n'a pas de protection. Au départ, on n'encadrait pas les daguerreotypes, il n'était pas protégé par du verre. Les gens les conservaient comme cela. Il mettait une étiquette derrière. Ça, c'est un daguerreotype de Giraud de Prangey, dont il vient d'y avoir une magnifique exposition au Metropolitan, au Musée Metropolitan de New York. Donc ce daguerreotype qui a été pris à Hierapolis en 1844, eh bien on ne voit rien. Il n'y a plus rien à voir parce qu'il y a une époque où la société a été amnésique, ça arrive assez souvent qu'elle soit amnésique, mais avait oublié ce que c'était qu'un daguerreotype, donc on essayait de nettoyer pour enlever la poussière et on enlevait tout. Là, on a complètement enlevé l'image. Et j'en profite, il est donc uniquement pour la pédagogie, je la montre à mes étudiants. C'est donc une plaque de cuivre d'un côté, argentée de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le format demi-plaque. Vous voyez, ça fait 16,5 par environ la moitié de 22, 11. Et il n'y a plus d'image. Parce que l'image, dans un daguerreotype, n'est pas à l'intérieur du métal. Elle est à la surface, comme une simple buée. C'est-à-dire, tout le monde a fait l'expérience de souffler de la buée sur une vitre l'hiver. Eh bien, l'image d'un daguerreotype, l'image photographique, est aussi fragile que la buée. C'est pour ça que une femme de ménage, malencontreusement, a effacé celui-là ainsi qu'une centaine d'autres sur la demande de ses patrons. Je reviens à ce daguerreotype. J'en profite aussi pour donner une petite remarque.
Si jamais l'opérateur n'était pas content du résultat, s'il trouvait que sa vue était ratée ou que le portrait était vilain, que les gens avaient fermé les yeux ou alors qu'ils avaient fait trop de grimaces, eh bien, il prenait la plaque, un chiffon, il l'effaçait et il faisait une nouvelle prise de vue. Donc, vous devez imaginer que pour chaque daguerréotype ancien que l'on trouve, peut-être qu'il y a une foule entière, une famille complète qui se trouve sous l'image, sauf qu'elle n'y est plus du tout, puisque encore une fois, c'est juste une buée qui est partie. La buée, chimiquement, s'appelle, c'est une vapeur d'iode, et avec un peu de brome. Voilà, donc je voulais vous montrer. C'est donc cette plaque que je conserve pour que les gens puissent la toucher sans précaution et sans danger, puisqu'il n'y a plus rien dessus. Bien, je vous ai dit, le premier à mettre au point un studio photographique, c'est Louis-Auguste Bisson. Mais il se déplace aussi, comme il s'est déplacé dans ce cas-là, pour aller photographier cet homme. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'analyse matérielle de ce daguerréotype? Il y a le petit tampon minuscule du photographe. Il y a sa très belle étiquette au dos. Il y a l'identification. Il s'agit de Monsieur Auguste Pierlot. Il y a l'année 1847. On aurait pu penser que le daguerréotype était plus ancien parce qu'il est ce qu'on appelle bleuté ou laiteux, c'est-à-dire que sa chimie n'est pas encore très très au point et on a l'impression qu'il y a comme un brouillard dans le ciel. Je profite de la contemplation de cet homme si sérieux pour dire qu'une manière de considérer le temps élastique, le temps qui se dilate, c'est que lui avait bien connu Napoléon Bonaparte. Donc quand je regarde le portrait de cet homme, je vois dans ses yeux quelqu'un qui a vu l'empereur. C'est ce que le ricochet de la photographie nous permet d'atteindre comme date extrême. D'ailleurs, en passant, le colonel Pierlot, comme d'autres personnages célèbres, avait perdu un bras dans une bataille de 1812, et il a donc été enterré deux fois, d'abord sous la forme de son bras, puis lui-même. Voilà, ça c'est une anecdote en passant. Bisson, c'est le premier grand photographe parisien. Voici donc une autre chose à dire. Le cadre est blanc. Jusqu'en 1848, les daguerréotypistes avaient l'habitude de présenter, d'encadrer leurs portraits dans une Marie-Louise blanche, comme il faisait pour les miniatures, comme il faisait pour d'autres formes de portraits gravés. Et là, quand même, les gens se sont aperçus que ce n'était pas une bonne idée. On voit beaucoup mieux quand on met un fond noir ou un bord noir, une Marie-Louise noire. Cela nous permet aussi de dater les daguerréotypes sur lesquels il n'y a aucune indication. En regardant ce daguerréotype, deux idées viennent à l'esprit immédiatement. D'abord, il représente une exposition de daguerréotypes. Il y a 10 portraits qui sont à l'intérieur de l'image. Donc, quelqu'un a documenté son exposition. Et puis, les écritures sont à l'envers. Le daguerréotype est une image miroir. Alors, évidemment, des opérateurs très sophistiqués avaient inventé des chambres où il y avait à l'intérieur un miroir qui redressait l'image, comme on dit. Mais en général, et en particulier en Amérique, on ne fait pas ça. Et puis de toute façon, les gens sont habitués. Donc un daguerréotype authentique, les écritures, les enseignes des boutiques seront toujours à l'envers. Si jamais c'est redressé, on pourra penser au contraire que c'est une copie, c'est-à-dire un daguerréotype fait à partir du daguerréotype. Là, il s'agit des membres fondateurs d'un club de canoë-kayak qui s'appelle le Yawata Club en Pennsylvanie. Vous avez la boîte typique américaine. Les Américains ont mis au point des taxonomies complètes, enfin des catalogues absolument exhaustifs de tous les décors de boîte, ce qui permet en général de dater à peu près, puisque les fabricants les diffusaient dans une région des États-Unis, plutôt l'Est en général, mais pendant une période assez limitée dans le temps. Donc ça, c'est un daguerréotype qui est probablement entre 1851 et 1853, en le datant à partir des motifs floraux. Voilà, je vous ai parlé du baron Gros qui a réinventé le daguerréotype et qui a formé un étudiant. Voici un très rare exemple de daguerréotype fait par Garcia Hevia. Il y a le petit cachet sec du photographe qui est là. Il représente
un évêque colombien qui joue un rôle assez important dans la vie politique du pays au milieu du 19e siècle et qui va d'ailleurs mourir en exil. La grande qualité de la boîte, la grande qualité de la plaque et tout ne correspond pas à une production locale. Donc le photographe, lui, se fournissait, l'opérateur se fournissait, là, probablement à Philadelphie, chez les frères Langenhoff. Et il s'est en tout cas inspiré sur la manière de faire, d'encadrer son portrait. Vous remarquerez qu'il est parfait, il n'a jamais été nettoyé, il n'a jamais été oxydé. Et ça, c'est typique de ce que faisait le Baron Gros ou son école. Nous avons un daguerréotype qui est très très beau, même si le père a légèrement bougé. L'enfant qui dort, lui, n'a pas bougé. Il est de grande qualité et surtout, ce que l'on a souvent avec les daguerréotypes américains, si on arrive à sortir le cadre lui-même, au fond de la boîte, vous voyez, vous avez la signature, le jour et le lieu, le studio. Donc ce portrait a été réalisé par le photographe qui s'appelle Center Bay Giddings et qui habitait 179 Broadway, New York, le 1er juin 1852. Aujourd'hui, vous avez tellement de ressources en Amérique sur leur histoire que vous découvrez qu'en 179 Broadway, New York, il y a eu une succession de plusieurs artistes daguerriens et en particulier une des premières femmes photographes. Bien. Donc, ce qui est intéressant avec ce nouveau daguerréotype américain, si vous le retournez, vous voyez que le dos est en argent. Et donc on pourrait penser, il existe, me direz-vous, des daguerréotypes en argent massif. Oui, il en existe quelques-uns très rares, mais ça coûtait fort cher pour un résultat pas très différent. Donc souvent, quand cela semble argenté, c'est simplement à cause de l'électrolyse, à cause de la galvanoplastie qu'on a utilisée pour réaliser le plaqué d'argent. Voilà, c'est ça l'origine. Les collectionneurs américains, quand ils sont curieux, qu'ils ouvrent et qu'ils referment, ils ont l'habitude de documenter toute l'histoire de ce qu'ils trouvent et donc ils se font un peu confiance les uns les autres. Ils écrivent et ils signent à quel moment ils ont ouvert, ils ont recellé la plaque et ils mettent aussi les indications si elles étaient par exemple sur un papier à côté. Donc on a le prénom des quatre enfants qui a été conservé comme cela. Je trouve assez admirable qu'il y ait une telle confiance entre les collectionneurs. Voilà. Quand j'étais petit garçon, j'avais la chance d'avoir encore mes deux grands-pères qui, à tour de rôle, en diverses occasions, s'occupaient de moi. Il y en a un qui était gendarme et l'autre qui était braconnier. Le gendarme me faisait répéter des exercices de calcul mental. Le braconnier m'enseignait comment poser des collets et aller ravauder dans les champs, dans les maisons en ruine, dans les greniers. Cette double vision du monde m'a accompagné pendant mon adolescence et après pendant mes études, c'est-à-dire que tout en faisant les classes préparatoires, je continuais à vendre sur les marchés aux puces pour me faire mon argent de poche. Et au lieu de suer à grosses gouttes en bachotant avant les examens, j'allais plutôt à Drouot faire un tour ou faire un déballage du matin. Donc pendant toutes mes études, mes enseignants, mes professeurs ont toléré ma curiosité pour les vieux papiers, les vieilles choses, courir les marchés, ravauder un peu comme m'avait appris mon grand-père braconnier depuis la plus jeune enfance. Et en même temps, ils ont encouragé mes études. J'ai fait des études de mathématiques. J'ai été recruté à Rudulm dans la promotion de 1982 en maths. Et j'y ai fait la rencontre de Jean Dombre, qui était historien des sciences. Et ça m'a semblé une manière de réconcilier un petit peu les deux choses qui me plaisaient, c'est-à-dire l'analyse matérielle des choses, des archives abandonnées, et en même temps continuer un petit peu dans une démarche scientifique. Donc les enseignants ont toléré ça, c'est-à-dire ils ont continué à me former, à avoir des méthodes, et en même temps j'avais une certaine aversion pour les algorithmes et pour l'arrivée. Je me rappelle, la plupart de mes camarades de promotion sont tous allés travailler sur le langage Pascal. On était en train de mettre au point la liaison entre la rue d'Ulm et Princeton. C'était le début d'Internet en 82. Et je sais pas, je peux pas dire, j'ai toujours peur de réécrire l'histoire, mais j'ai eu comme une idée que normalement, s'occuper des archives, c'est très modeste. C'est là où on punit un soldat, on le nomme aux archives militaires. Mais
J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même quelque chose à faire, et cette disparition, cette espèce d'amnésie qui arrivait, ce désintérêt pour les œuvres d'art ou les choses imprimées, les choses écrites, m'a semblé plus important que d'être quelqu'un de plus qui allait travailler à construire Internet. Voilà. J'ai beaucoup hésité à quitter la fonction publique. Mes parents étaient fiers de moi d'avoir avec mes études et j'ai enseigné pendant 3 ans et quand même. J'ai discuté avec Monsieur Poitou, qui était le directeur de l'école, avec la plupart des gens. Et finalement, je me suis lancé. Je me suis lancé comme libraire de livres anciens, en ayant fixé de manière arbitraire un but un peu désuet et ridicule. Je m'étais fixé de trouver un livre qui était introuvable. C'est-à-dire, j'avais beaucoup fréquenté la librairie, les éditions Corti, rue de Médicis, à l'époque où ils avaient republié l'intégralité du manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki. J'avais rencontré moi-même Jean Radrizzani, qui en avait fait l'édition critique et avait réussi à reconstituer cela à la suite de Caillois, qui lui n'avait publié que la moitié, mais en proclamant que c'était une découverte extraordinaire, que c'était le début de la littérature fantastique. Et puis Radrizzani m'avait expliqué qu'il n'existait aucun exemplaire, qu'on ne savait même pas si l'édition originale avait été imprimée. Et donc il avait travaillé à partir des placards, on appelle placards les livres non brochés, là, qui sortent juste des presses, des différents manuscrits. Et donc j'avais décidé que je deviendrais libraire de livres anciens jusqu'à trouver le manuscrit trouvé à Saragosse. J'ai démarré en 89 et puis je l'ai trouvé en 92. Le seul exemplaire connu, c'était dans le Caucase, à Piatigorsk. Alors, mon monde s'écroulait. Est-ce que j'allais continuer à m'occuper de livres ou pas? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai été très troublé. Et je me suis dit que peut-être on pouvait faire ces métiers d'une manière assez créative, un peu étrange, où c'était un signe du destin. Donc, je me suis mis à étudier la méthode de Potocki, on va dire. Voilà. Et je recommande à tout le monde la lecture de ce livre. Merci.